On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire. Hop là. Pile, c'est Yumi. Et face, c'est Odd. C'est face, c'est Odd. Ah, perdu, c'est Yumi. Ça va, toi? Bah, t'en fais une tête. Ça va pas, Yumi? Eh, mais qu'est-ce que je fais là? Oula, je crois qu'on a comme qui dirait un problème. Alors? Alors, bah on a eu droit à un petit bug du programme de rematérialisation. Ah, parce que toi tu appelles ça un petit bug? Eh, réveille-toi, on peut pas rester comme ça. Et si tu nous renvoyais sur Lyoko en reprenant tout depuis le début? Peut-être que tout rentrerait dans l'ordre. Ouais, mais imagine que le programme plante à nouveau et que vous ne récupériez pas vos corps du tout. Bon, oublie, mauvaise idée. Sinon, tu vois quoi comme solution? Réparer le programme. Et ça te prendra quoi? Une heure ou deux maximum? Bah si j'y passe la nuit, ça devrait être prêt demain matin. Quoi? Tu veux dire que cette nuit, je vais dormir dans le corps d'un mec? Estime-toi heureuse, moi je vais pas dormir du tout. En plus, je vois vraiment pas pourquoi tu te plains. Il est d'enfer, mon corps. Bien mieux que le tien. Oh, bah déjà, par exemple, il y a comme un truc qui me gratte dans le dos, là. On dirait que c'est la bretelle de ton soutien. Ouais, ben t'as pas intérêt à l'enlever, d'accord? Bon, allez, ne vous inquiétez pas, je vais aider Jérémy. Et demain matin, tout sera rentré dans l'ordre, promis. J'espère bien, ouais. Pas autant que moi. Bon, alors pour moi, c'est quoi le programme de la soirée? Facile, les 3D, dîner, douche et dodo. Et pour moi? C'est pareil, mais à la japonaise. Surtout, tâche de ne pas faire trop de gaffe avec mes parents. Au fait, tu sais manger avec des baguettes? T'inquiète, t'as pas de sushi à te faire. Bah bravo, très drôle. En tout cas, pas de bêtises avec mon corps. T'as le mien en garantie. N'empêche que tu te couches tôt et t'oublies pas de te brosser les dents. Dis, au fait, c'est ce soir que t'avais décidé de rompre avec Magali? Ah oh, ouais, c'est vrai. Et aussi avec Claire. Ah bon? Parce que tu sortais avec les deux en même temps? Oh, désolée, j'étais pas au courant. Bah Magali et Claire non plus. Enfin, j'espère quoi. Hey, écoute, j'ai une idée de génie. Bon, c'est clair qu'avec Yumi, t'arrives pas à faire le premier pas. Bah t'as qu'à t'entraîner avec moi. Odd, primo, c'est pas une idée de génie, ça c'est une idée de malade. Et secondo, je veux pas sortir avec Yumi, pigé. Ouais, ouais, on dit ça, ouais. Alors quoi, réfléchis, c'est une chance unique de te lancer sans crainte de te ramasser une veste. Et puis en bonus, je pourrais te donner des conseils. Toi là, me donner des conseils? Allez mon grand, fais pas ton timide. Oh, mais qui vois-je? Oh, mais oui, c'est Roméo et Juliette. Oh, c'est pas vrai, manquait plus que ça, Sissi. Quel crampon, cette fille. Mon pauvre Ulrich, quand vas-tu te décider à admettre que la femme de ta vie, c'est moi? Tu perds ton temps avec ce corbeau femelle anorexique. Mieux vaut être un corbeau qu'une grue. Faut te faire une raison, Sissi. Ulrich et moi, on est fait l'un pour l'autre. Pas vrai, Ulrich? Vous me rendez malade. Je préfère ne pas voir ça. Waouh, alors là, ma vieille, tu tiens le scoop de l'année. Quoi? Hé hey, dis donc, sous tes faux airs, t'es un tendre, toi. Refais-moi un coup comme ça et t'es mort, pigé. Bon, rendez service aux copains. Et voilà comment on vous remercie. Voyons, non, c'est pas ça. S'il te plaît, Kiwi, arrête ça. T'es pas obligé de grogner. Oh, c'est moi, c'est Yumi. Ah, ça doit être ça. C'est parti. À plus, Kiwi. Désolée, Kiwi, mais tu restes là, le chien. Odd? Oui? Je suis au courant pour Claire. Je te jure, t'es vraiment lamentable, Odd. Hein? Odd? Odd, je suis au courant pour Magali. T'es vraiment un gros naze.
malade. Tu diras à Ulrich que ça ne sera pas la peine de venir pleurer auprès de la grue quand son corbeau leur a laissé tomber. Mmh. Et Yumi, alors qu'est-ce que tu fais? Tu l'as trouvé? Oui, je l'ai. Sissi m'a demandé de te dire quelque chose, un truc à propos d'oiseaux. J'ai rien compris. C'est quoi cette histoire? Oh, laisse tomber. Allez, viens. On va à la cafette. Ulrich, ça t'ennuie de répondre à quelques questions pour notre rubrique Potin, Ragot et Confidence? Ouais, ça m'ennuie. Je peux savoir ce qui se passe à la fin? Demande à cet abruti Dodd, il t'expliquera. Alors, c'est bon, tu l'as trouvé? J'y tiens, je l'ai depuis que je suis tout petit. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Yumi? Tu ne manges pas? Mais alors seulement en cas d'extrême urgence. Chinois maintenant? Elle est amoureuse. Ulrich. Oh mon Ulrich, je t'aime Ulrich. Oh Hiroki. Voilà, tu vois? Tu vois que tu t'y fais, hein, kiwi? Oh bon toutou ça. Hé, hey, Yumi, ça va pas? Pendant un instant, j'ai cru que ma main disparaissait. Ben, c'est rien, j'ai dû rêver. Oh. Sûrement. Allez, t'inquiète pas, tu raconteras ça demain, Jérémy. Moi, ouais, t'as raison, pas la peine de paniquer. Oh, là, méfie-toi. Oh, ça va. L'horreur! Je t'avais prévenu. C'est pire que ces flèches laser. J'avais raison, Aelita, c'est bien un bug dans le programme de rematérialisation. Aelita? Oh non, s'il te plaît, Kiwi! Oh non, Ulrich! Ben, j'espère que Jérémy a trouvé le bug. Yumi, est-ce que tu es levée? J'ai besoin de toi, tu peux me donner un coup de main? Oui! Oui, j'arrive! Dès que je les ai récupérés. Ça n'a pas duré plus de quelques secondes, mais mes mains avaient totalement disparu. Bizarre. En tout cas, je serai plus tranquille quand vous aurez réintégré vos corps. J'ai réparé le programme. Seulement, il faut le relancer depuis Lyoko. On fera ça pendant le déjeuner. Alors, tu vois, tout va bien. Oh là là, non. Non, tout va très très mal. Ni hao. Bon, primo, ni hao, c'est du chinois. Et secondo, qu'est-ce que c'est que ces fringues que tu portes? Ben quoi? C'est des fringues à toi? Oh, avoue que ça change, plutôt cool, non? T'as de la veine d'être dans mon corps, sinon je te réduirai en pâté pour chien. Allez, demi-tour et va te changer avant que tout le collège ne te voie. Génial, Yumi Yoshiyama, comment l'amour l'a transformé. Chouette titre, non? Avec ça, on double notre tirage. Non, mais de quoi elle parle? C'est quoi cette histoire d'amour? Pas le temps de t'expliquer, désolée, j'ai cours de maths. Sayonara. Prenez vos stylos, interrogation surprise sur les fonctions linéaires. Oh non, bonjour la poisse. Oh là, c'est sûr, Yumi va massacrer. Tu parles de toi à la troisième personne, c'est original. Original? Non, c'est juste une crise de schizophrénie. Rien de grave, t'inquiète. Je vois. Et c'est pour ça que tu es habillée comme ça? Ben... Ouais.
te sens mal, bien sûr. Vas-y, Yumi. Et personne ne s'est rendu compte de rien? Non, ils étaient trop occupés par l'interro de maths. Hein? Il y avait une interro de maths ce matin? Tu t'en es sortie? Ouais, en quatrième vitesse, direction l'infirmerie. À ton avis, c'est quoi le problème, Jérémy? Je dirais qu'Od et Yumi s'étant matérialisés dans des corps qui ne sont pas les leurs, leur structure est instable. Ouais, et? Et si on ne résout pas très vite le problème, leur trame atomique risque de se dissocier. D'accord, mais en français, ça veut dire quoi? Désintégration définitive. Ouah, génial. Bon, vous, au scanner, je vous envoie sur le territoire Banquise. Vous devriez trouver une tour de passage au nord de votre zone d'arrivée. De là, Aïlita pourra réinitialiser le programme et le cauchemar sera terminé. Aïlita, Ulrich, vous plongez les premiers. Allez, transfert Ulrich. Transfert Aïlita. Scanner Ulrich. Scanner Aïlita. Virtualisation. Transfert Od. Oh non, c'est pas Od, c'est Yumi. Mais non. Bon, allez, après tout. Transfert, scanner, virtualisation. Oh non, me voilà changée en Catwoman. La tour est là. Dépêchez-vous, Xana a sûrement déjà prévu un comité d'accueil. Chevaux plus vite. Là, ça commence à être grave urgent. Oh. Décancre là, manquait plus que ça. Heureusement que tu veilles sur nous, Jérémy. Je suis désolée. Bon, au fait, Jumi, vous ne devez surtout pas être dévirtualisée. Sinon, c'est terminé, impossible de vous récupérer. Merci, c'est rassurant. Allez, flèche laser. Oh zut, j'avais oublié. Localiser. Oh non. Sympa de m'aider. Oui, ça va, on fait ce qu'on peut. Dépêchez-vous, on doit aller sur le cinquième territoire. Quoi? Mais enfin, pourquoi? Plus tard, les explications. Je programme vos véhicules. Jérémy, t'es sûr qu'on est obligé d'aller jusque là-bas? Désolée, pas le temps d'attendre que j'ai craqué quelques millions de codes pour accéder aux inhibiteurs. N'oubliez pas, si vous ne retrouvez pas vos corps très vite, c'est la désintégration. Ouais, et puis vu ta façon d'utiliser les flèches laser, d'ici là, tu risquerais d'avoir dégommé ce pauvre Od. Vous êtes prêts? J'entre le code Scipion. Ulrich!
vrai ça, je suis vraiment trop nulle. Système connecté. Je sens que je vais être malade. Ah oui, désolé, le transporteur, ça me fait toujours cet effet. T'as vraiment pas de chance. Attention, la paroi est sur le point de s'ouvrir. Remuez-vous, le compte à rebours est lancé. Et méfiez-vous de la méduse. Passera Xana comme architecte. Il a oublié d'installer un escalier. La clé là-bas. Génial. Quelqu'un a appris à voler. Oh. Flèche laser. Oh non, incroyable. T'as raté un rond-point à 10 mètres dans un couloir. Remue-toi, le compte à rebours est bientôt à zéro. Oh non, ça va pas, j'ai pas pris assez d'élan. Oh, à quoi tu joues? Ça se voit pas, je pédale dans le guacamole. Bouclier. Il te reste combien de points de vie? Des tas, pourquoi? Ouais, bien joué. Ouais. Dans le mille. Jérémy, chaque fois qu'on se dématérialise, ça dure de plus en plus longtemps.
faut qu'Aelita trouve le code au plus vite. Attention, un rampant. Aelita, qu'est-ce qui se passe? J'y suis presque. Que tu peux et surtout ne traîne pas dans le coin, ça va devenir malsain. Oh non! Aelita, vite quoi! Ils sont en phase finale de désintégration. Contrôle. Ouais, c'est bon, ça y est. Je relance le programme de rematérialisation. J'espère que ce que j'ai bidouillé sur le programme va fonctionner. Je vais à la salle des scanners. Odd, c'est toi? Comment ça, c'est toi? Tu reconnais même plus les copains. Crétin. C'est bon, Jérémy, ça a marché à 100%. Oh, waouh, génial. Face, c'est Yumi en premier. Et pile, bah, c'est Odd. C'est pile. C'est bon, t'as gagné. Yumi m'en veut pas trop, en fin de compte. Ni pour ses parents, ni pour son contrôle de maths, ni pour les fringues, et elle a oublié les baffes qu'elle a prises à ma place. Sans blague, elle est trop cool, Yumi. Sans rire, tu devrais sortir avec elle. En parlant de ça, tu lui as pas parlé de ce qui s'est passé entre nous, hein? Eh oh, tu rigoles? Dis, je tiens à la vie, moi, hein? Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Rien. Tiens, en parlant d'Yumi, la voilà qui arrive avec le nouveau Kadik News. Oula, j'aime pas ce regard. Odd, Ulrik, aide-moi. Oh non, désolé. Sur ce coup, t'es tout seul, mon vieux. Odd.